Allez, bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce live spécial Classico. PSG-OM, un choc qui s'attend dimanche entre le leader du championnat de France de Ligue 1 et son dauphin, l'Olympique de Marseille. On aura donc un débat sur cette rencontre qui s'annonce très passionnante. Hein. Le match du rachat contre la surprise marseillaise, ça sera le premier thème de la soirée en compagnie de mes intervenants. On parlera également de Kylian Mbappé, hein, une dernière pour lui puisque Mbappé devrait quitter le PSG en fin de saison. On aura un débat là-dessus également. Est-ce que c'est la dernière de Kylian Mbappé? Et puis un duel d'Argentins, oui, Sampaoli vs Pochettino. Ce sera le derby, le duel entre Argentins. Qui va l'emporter ce dimanche soir à 20h45 sur Amazon Prime, bien évidemment. Jérémy me rejoint avec le micro, bien sûr. James également me rejoint. Bruno. Avec le micro. Avec le micro, les gars, c'est mieux, bien évidemment. Tout en musique, on est bien. Et puis un tonton. Alors, tonton, celui-là, je vais vous dire, on l'accueille avec grand plaisir, supporter marseillais. Merci. Madame, c'est ça, hein, Depuis 1965. Incroyable, incroyable. Voilà, donc un petit sommaire sympa ce soir, les gars, d'une heure à peu près. On discutera un petit peu de l'Olympique de Marseille et des Paris Saint-Germain aussi, parce que c'est direction foot, c'est ouvert à tous. Vous êtes bien sûr amenés à nous rejoindre si vous le désirez. Sur le YouTube ou le Facebook, bien évidemment, de la page. Je coupe la musique et on démarre donc le premier thème de la soirée, les gars, pour vous, donc tout simplement le match PSG-OM, le match du rachat Paris ou la surprise marseillaise. Ben, je vous laisse commencer, Jérémy, hein, ton avis un petit peu sur ce match. Qu'est-ce que tu attends de l'OM ce week-end et du Paris Saint-Germain, bien évidemment? Bah écoute, de l'OM, on souhaite une victoire. Hein, étant supporter marseillais, je souhaite une victoire, même si je sais que ça sera très dur. Paris, pour moi, c'est leur dernier match en jeu. Derrière, après, je ne sais pas leur calendrier, mais je pense qu'ils se rapprocheront un peu plus du titre encore avec une victoire contre l'OM. Ils auront à cœur de racheter le faux pas fait contre le Real. Et je pense que ben ils vont se mettre en mode Ligue des Champions, que ça va être un Paris Saint-Germain très très dur à jouer, capable de tout, que du pire comme du meilleur. On se rappelle d'un match où une mi-temps ils nous avaient mis 4-0, hein, ils avaient fait très mal. Donc voilà, on espère une victoire, mais s'il y a une victoire de l'OM, ça sera très très difficile. Il faut rappeler quand même que Marseille reste sur une victoire à Paris l'année dernière. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. C'était début septembre, hein, une victoire 1-0 de Thauvin. Salut James. Salut à tous. Avec le beau salut la compagnie. Ouais, salut James. Ton avis un petit peu sur ce match de dimanche, pour toi, voilà, question simple, le rachat du PSG ou la surprise marseillaise, hein, parce que Marseille peut encore une fois faire tomber le PSG chez lui. Ça serait une grosse surprise malgré tout, hein, faut quand même l'avouer. Hein. Oui, bien sûr. Après, dans quel état d'esprit vont être les Parisiens sur ce match et qu'ils vont se mettre en mode en Ligue des Champions? Est-ce que les stars vont se mettre au niveau? Est-ce qu'ils vont prendre le match par le bon bout? Voilà, tout se résume un peu à ça. Après, on va avoir un OM un peu diminué parce qu'il y a eu un match important hier et la fatigue du voyage, la fatigue du match hier et surtout sur un enchaînement de matchs important. Paris a eu toute la semaine pour préparer le match, donc je pense qu'il y a un léger déséquilibre par rapport à ça. Mais après, la vérité d'un match, hein, comment vont être les joueurs, dans quelles conditions? Est-ce qu'on va avoir un Paris qui ses stars vont jouer un peu par-dessus la jambe, ou on va avoir un Paris conquérant, un Paris qui va vouloir aussi reconquérir son public? Quelle va être aussi l'ambiance dans le stade? Est-ce que le stade va supporter son équipe? D'après les infos que j'ai, ils vont toujours faire grève, ils vont toujours montrer leur mécontentement. Donc voilà, il y a plein de paramètres en jeu sur ce match. Maintenant, moi en tant que supporter de l'OM, je voudrais dire que voilà, j'ai envie de faire un match, peu importe le résultat, mais j'ai envie de voir un petit peu quel niveau on a, si on se rapproche, si l'équipe s'est améliorée, et j'ai envie de voir voilà, un vrai match, un vrai duel où les niveaux se resserrent et voir pour une dernière fois Kylian Mbappé, parce que ça reste, même s'il est parisien, un très grand joueur, et voilà, donc on va lui dire gentiment au revoir, à très bientôt. Voilà un petit peu sur mon analyse. Oui, bien sûr. Marquinhos parlait aujourd'hui en conférence de presse, hein, en rappelant que ce n'était pas un match comme les autres. Hein, ce n'est pas son premier classico pour lui, donc il connaît un petit peu le contexte et la manière dont aborder ce match-là, parce que même si Paris actuellement est supérieur
sur les dernières années grâce au Qatar, on ne peut pas non plus oublier que ben voilà, ça reste un match, c'est un classique malgré tout, championnat de France de Ligue 1. Et Marquinhos donc disait également que ben voilà, c'est un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville, surtout après le contexte, bien sûr, élimination Coupe d'Europe. C'est le dernier gros choc pour Paris cette saison, d'ailleurs. Pour information, Bruno, ton avis, bonsoir Bruno, ton avis un petit peu sur ce match qui s'attend à être un match passionnant entre le leader et son dauphin. Ouais. C'est pas négligeable. Moi, j'attends un gros choc entre le premier et le deuxième. C'est le match phare de la Ligue 1. Et puis, à titre personnel, j'attends une grosse sodomisation. Je veux que les enculent. Bon, personnellement, on va pas parler cru, on va pas. Voilà, moi, je veux qu'on les défonce. Ouais. Après, je vais pas dire. J'avais parié soit ton soit Bruno pour ça. Mais bon. Non, mais voilà, leur club de merde, moi je m'en bats les couilles. En fait, ce que je veux qu'on gagne. Oui, je veux qu'on. Pour l'OM, ce serait une bonne chose. Marseille reste quand même sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ouais, mais c'est après, on va pas se mentir. Hein. Pour Paris, on s'en bat les couilles. Hein. Nous, on est Marseillais, après le reste, on s'en fout. Quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben, on va aller voir Tonton, justement, qui va sûrement finir ta phrase de « je m'en bats les couilles » avec la continuité de ce... Salut Tonton, bonsoir, merci de votre présence sur le live de Direction. Ah, ça m'a fait un plaisir. Bonsoir à toute l'équipe, voilà, à tout le team. Bonsoir dans le chat. Moi, je te dis franchement, on va gagner 2-1. Pourquoi je vais te dire franchement, si on aurait perdu contre les Grecs, j'aurais eu le mandal un peu fracassé, comme on dit dans mon quartier. Mais c'est comme un boxeur. Si tu bois avec la peur... Quand tu montes sur le rime, tu as déjà perdu. Mais Marseille, ils doivent avoir le mental. Ils ont le mental. Ils vont le prendre dès le début, on va gagner 2-1. Et ça fera 2 années de suite qu'on va gagner. Ça fait longtemps que ce n'était pas comme ça. Et voilà. Et Marseille va gagner à l'OM. Allez l'OM. En tout cas, ça serait une grande première pour la Qatar. Aucun club n'a gagné 2 fois d'affilée à Paris. Sur ces 10 années qataris, ouais, à jamais les premiers, encore une fois. Pourquoi pas, en tout cas, pour l'OM, ce week-end, une victoire, encore une fois. Mais les Qataris, moi, je les déteste. Moi, je les déteste. Ils nous ont fait. Depuis qu'il y a les Qataris, on avait le record. Il y avait Saint-Etienne qui avait le record de championnat, 10. Il y avait Marseille qui était derrière, qu'on nous a retirés. Mais nous, on avait le record de la Coupe de France. Et c'est qu'en 10 ans, ils ont tous mis. C'est pour ça que ça me fait vomir quand je vois quand moi, je dis le Bois de Boulogne, je dis le Paris-Gomes, je dis le Bois de Boulogne maintenant. Ça me fait vomir. OK, ils ont tous les records. Ils ont gagné 10 titres, 9 titres là, en 10 ans, à part qu'ils ont perdu contre Lyon l'année dernière et contre Monaco il y a 4-5 ans. Et Montpellier. Historique. J'en ai marre, je vous laisse parler. Comment tu Marseillais alors? Quand je parle, je ne m'arrête pas. tu as raison, la passion prend le dessus, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et sous l'air qatari, mine de rien, alors on va parler de choses qui fâchent. Apparemment, ce sera le 23e ou 24e match. Et on va vraiment. C'est 19 victoires du FC Bois de Boulogne, 3 nuls et 2 victoires de l'Olympique de Marseille. Et il y a eu quand même des moments où l'OM avait quand même réalisé un gros coup à Marseille où il menait 1-0, on a été égalisé à la 90. Et t'as légalisé le coup franc de Cavani à la dernière minute. Cavani à la dernière minute, ouais. Il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Il y a eu des classicos où Marseille a tenu tête quand même à Paris Saint-Germain. Cette saison, Marseille a l'impression quand même qu'ils sont redynamisés. Il y a une ferveur. Le match hier soir contre PAOK qui était pourtant très difficile en termes d'émotion parce que on connaît le contexte et tout ce qu'il y avait autour. Mais l'OM a quand même plus ou moins bien géré ce match-là. Est-ce que finalement, James disait par exemple que jouer en semaine, contrairement à Paris, ça peut être problématique. À l'inverse, moi je pense, je ne sais pas votre avis, mais que le fait d'avoir joué ce match contre PAOK, ça a encore plus motivé les joueurs pour dimanche. Je ne sais pas, à votre avis, un petit peu, Bruno, éventuellement, ou Jérémy. Bah, moi, hier, on avait quand même beaucoup de suspendus. Donc, il y a quand même beaucoup de joueurs aussi qui se sont mis sur le banc, qui vont être en canne pour dimanche. La victoire, ça gonfle le moral. La qualification, tu es qualifié pour les demi-finales. Donc, ton moral, il est bon. L'aspect physique, le match hier, on l'a géré, on ne s'est pas forcément fatigué. On s'attendait à une ambiance hostile. Dès qu'on a marqué le premier but, ben, on a tout refroidi. Moi, je pense que c'est tout bon. On a les têtes, le physique. On a pas pioché hier soir dans les réserves. Donc, je pense que pour moi, ça ne va pas se jouer de ce côté-là. Jérémy ? Moi, je suis assez d'accord avec Bruno. Hein. Il a tout dit. Maintenant, c'est
Le plus dur, c'est voilà, c'est aujourd'hui, je pense que Marseille et Army, c'est voilà, si Paris prend le match par-dessus la jambe face à cette équipe, de Marseille, ils vont se faire défausser le soupirail arrière. Maintenant, c'est en fait, c'est même pas l'équipe, Jérémy, c'est un joueur. On aura l'occasion d'en parler de ce joueur-là qui va être le poison numéro un de ce match-là. Parce que c'est vrai, ouais, quand on regarde le 11 Marseille aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est quand même créé. Il y a quand même des choses qui valent le coup d'être regardées. On prend plus de plaisir le week-end à regarder Marseille jouer en ce moment que Paris. Pourtant, sur papier, on devrait dire que Paris devrait être largement dessus et devrait faire plaisir. Donc, c'est vrai que sur un match comme celui-là, par exemple, est-ce que vous voyez par exemple Marseille dominer contre Paris au final ou attendre à l'inverse? Au match aller, moi, notre milieu de terrain, il était plus fort que le milieu de terrain de Bois de Boulogne. Au match aller, je te parle. Hein. Et moi, peut-être si je joue avec la mentalité qu'ils ont eu au match aller, moi, je te dis franchement, il ne faut pas sous-estimer notre équipe. Sur le papier, ils sont plus forts. Deux joueurs, écoutez déjà toute l'équipe de Marseille. Mbappé et Neymar. Plus cher que toute l'équipe de Marseille. Rien que deux. Mais il ne faut pas sous-estimer Marseille. Pour que Marseille, quand il est blessé, ça va faire du mal. Et moi, je te le dis, on m'a gagné deux. Sur le papier, ils sont plus forts. Mais le mental, il est pour le Marseille, je pense. Attention, moi, je prends au mot, moi. Je mets 20 euros sur Marseille, 2-1 ce week-end. Fais gaffe, hein. Ouais, 2-1 pour Marseille. Ah, et je pense que tu peux parier but de la tête de Saliba. Saliba, ah, même un but du cul de gueule, je prends. Je te le dis. Ah oui, bien sûr. Mais après on reparlera du 11 type du week-end parce qu'il y a quand même des incertitudes concernant Milik, par exemple. Milik est forfait. Hein. Milik est forfait, c'est sûr. Il est forfait sûr. Donc voilà, par exemple, on a en tête l'utilisation de Bemba Dieng éventuellement devant, qui pourrait virevolter une défense parisienne qui est en très grosse difficulté. James, je te repose la question. Tu disais tout à l'heure justement par rapport au fait que Marseille ait joué jeudi soir, ça peut avoir un impact négatif. Quand on écoute les trois autres intervenants, on a l'impression que non. Donc, est-ce que toi, tu changes d'avis ou tu restes quand même ancré sur le fait que ce serait un match compliqué du fait qu'on ait joué jeudi soir? Oui, ça va être un match compliqué. Après, la question aussi à poser, c'est que ce soir, il y a un match important entre Rennes et Monaco. Oui. Est-ce que si Rennes ne gagnait pas ce soir, est-ce que Marseille pourrait faire un peu l'impasse sur ce match de Paris? On va dire l'impasse. On va dire pas mettre l'équipe la plus forte et jouer à fond le match contre Nantes 4 jours après ou 3 jours après. Est-ce qu'il va y avoir un seul calcul? Parce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ça s'enchaîne. La demi-finale de Coupe d'Europe va arriver derrière. Donc, du moins, t'as le temps encore. Ouais, t'as encore le temps, mais jours. c'est dans 15 jours. Hein. Là, tu vas. 15 jours. Ouais, mais t'as le temps. T'as une semaine après pour te préparer. Ça va. Tu vas enchaîner Paris. Tu vas enchaîner Nantes au milieu de semaine. Tu vas enchaîner encore un déplacement le week-end prochain. Et tu vas trop déplacer à Feyenoord. En fait, tout va. Non, va s'enchaîner. J'aime ça. Pardon ? Non, il se déplace, il se déplace. Il reçoit au retour, Marseille. Non, soit Nantes ce week-end, et après on se déplace le week-end prochain. Hein. Je crois qu'on va à Reims, non ? C'est pas ça ? On doit aller à Reims ce week-end. Si. Oui, on va à Reims le week-end prochain. Donc, est-ce que Sampaoli va aussi un petit peu calculer tout ça, ou est-ce qu'il va se dire, je vais jouer match par match, on va tout mettre sur ce match-là, ça reste le derby, ça reste le classico, ça reste un match important, ça reste… Voilà, le problème, c'est que dans quel état d'esprit vont aborder ce match-là ? Moi, je pense qu'on part, avec un très gros handicap de par le nombre de matchs qu'on a joués, de par le match de jeudi, de par Paris qui, à mon sens, va vouloir régler ses comptes avec l'OM, va vouloir jouer jusqu'au bout, jusqu'au titre. Donc, voilà, moi, je suis désolé, même si je parle de l'OM, je ne suis pas très, très confiant sur le match de dimanche. Donc, voilà. Après, il faut bien un peu un mec défaitiste, que je vous vois tout chaud là. Il faut un petit peu rééquilibrer Il peut avoir Après, James, si Paris est à son niveau, il n'y a pas de surprise. Ah, il faut dire ce qui est. Si Paris est à son niveau, il n'y a pas de surprise. Donc, son papier, sont plus forts. Il peut avoir aussi l'excès de confiance. On le disait justement en début de live, 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On est passé même carrément au record des matchs européens gagnés hein, d'affilée, puisque ce matin j'ai vu ça sorti sur l'équipe. Marseille a gagné 7 matchs consécutifs, donc c'est quand même pas rien. On a quand même du positif en positif. On est parti quand même. Ouais, ça change.
Ouais, on est parti après Monaco en se disant, putain, Marseille, ça va être très compliqué sur la fin de saison. Ça fait 3 matchs, on ne gagne pas. Ça va être délicat, etc. Et finalement, il y a eu la trêve internationale et une machine qui a redémarré et qui ne s'arrête plus. Alors, certains disent que justement, ce match contre Paris et une victoire pourraient continuer à amener du positif et une fin de saison remarquable. Est-ce qu'à l'inverse, ça ne peut pas être un excès de confiance de battre Paris ce week-end et de se dire, derrière, on se casse la gueule et on tombe comme l'année dernière, on bat Paris. Et je crois que le mercredi, on perd contre Saint-Etienne à domicile bêtement. Donc, ça peut être aussi délicat de battre le PSG ce week-end, hein, malgré tout. Alors, tant mieux si on les gagne, mais il ne faut pas non plus que ce soit préjudice pour la fin de saison, Jérémy. Non, mais je pense que, comme je t'ai dit, comme je dis Bruno, si Paris gagne ce week-end, bon, on va se faire chambrer, voilà, on s'y attend. Mais comme je dis, ça sera la logique sera respectée. C'est Lou l'a dit tout à l'heure, deux joueurs font son coûte plus cher que l'Olympique de Marseille. Donc, en plus, ils ont une équipe. Alors, même s'il y a eu le couac en Ligue des Champions contre le Real, ça reste quand même une équipe habituée aux joutes européennes qui a fait quand même des gros matchs contre City. Même s'ils ont perdu chez eux, ils ont quand même réussi à gagner à domicile. C'est une équipe, le PSG, aujourd'hui, même si moi, je ne les aime pas, il faut reconnaître leur talent. Je pense que Marseille va aborder match par match et qu'ils vont jouer leur chance et peut-être éviter de prendre la valise. Et puis, s'ils ont l'occasion de marquer un but et un deuxième, peut-être que voilà. Mais après, il faut jouer le match. Maintenant, la fatigue, on le dit, c'est vrai, elle va être importante. Elle va être dans les têtes. Maintenant, sur l'équipe qu'il y avait, je pense qu'il y a pas mal de joueurs. Je pense qu'on verra du Camara, on verra du Gerson. On verra certainement du Dieng. Donc, je pense qu'il y aura aussi des joueurs un peu plus frais que ce qu'on pourrait avoir. Under a joué pas longtemps. En fait, a fait tourner quand même un petit peu. Aujourd'hui, en confiance et en termes de confiance et de ce qu'on est capable de faire, le match, d'habitude, je le donnais à 80-20. Et bien là, je le donne plus à 60-40. Mais 60 paris quand même, quoi. On passe le bonsoir à Erwan Noah qui me marque, il ne passe pas les commentaires, il ne fait que des commentaires. Calme-toi sur les commentaires, il vient de parler avec nous sur le live, ça sera plus simple. On a un commentaire également de Ludovic Hamon que je ne connais pas, mais bonsoir à toi en tout cas. Il faut jouer le match avec une équipe qui tient la route et jouer les 3 points, voire le point de match nul. On reste quand même dans l'idée, quand même, avec du recul, que le nul serait un très bon résultat à Parc des Princes, quand même, malgré tout, hein, malgré tout, tonton. Je signe de suite, moi, le nul. Mais je peux faire les 3 points. On m'a gagné 2-1. La seule chose qui me fait peur, moi, je parle pour moi personnel, hein, c'est que déjà, on va jouer 12 contre 11. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vais vous faire comprendre. Oui. Je n'ai pas vu qui était arbitre image, d'ailleurs. Je n'ai pas vu qui était arbitre image. Ça me fait peur. Ça, c'est la chose qui me fait peur. Donner des pénalties qui n'y a pas de pénalty, au début, qui sont hors jeu, tout ça. Ça, c'est la chose qui me fait vraiment peur. Mais s'il n'y a pas l'arbitre, il est correct. Je fais un match de Jossigne, mais on va gagner 2-1. Je m'excuse, ça c'est mon opportuniste. Mais il y aura quand même, malgré tout, l'arbitre quand même sera quand même l'élément phare de ce match, peut-être. Mais il sera quand même très regardé. Je pense que ce match aura, je pense qu'en termes de téléspectateurs, je crois qu'on battra des records. D'ailleurs, en parlant d'hier soir, W9 a battu des records hier sur la diffusion de l'OM. Pour la comparaison avec Jean-Michel Aulas qui pleurait de ne pas être diffusé sur le BNF en clair. Chose étant, en tout cas, les diffuseurs ont félicité le fait faut Marseille était regardé hier soir quand même. C'est la parenthèse, hein, mais bon. Faut préciser que les films porno à 21h, c'est encore interdit. Hein. Une petite pensée pour Loïc, une petite pensée pour Loïc aussi quand même. Oui, Loïc est notre intervenant de direction foot et malheureusement. Ah, j'ai une info à donner à Jean-Michel Aulas. J'ai bien reçu le contrat sponsoring pour le FC Lyon pour l'année prochaine. Donc, Kleenex m'a bien envoyé le contrat. Il faut juste que je fasse le transfert et je te l'envoie, Jean-Mich. Donc, t'inquiète pas, Kleenex a accepté tout de suite, sans condition, avec nos conditions. Il n'y a pas de problème, Jean-Mich. Kleenex sera le sponsor officiel du FC Lyon l'année prochaine. Voilà. En tout cas, par Covidio, là, cette année, c'est la bonne. Hein. Voilà. En tout cas, c'est la bonne. Je pense que cette année, on va la gagner. Il a dit ça depuis longtemps. Hein. Marseille a été critiqué au mois de décembre de son élimination en Europa League pour la petite Europa League, entre guillemets, la conférence. Malgré tout, Marseille est actuellement le seul club français encore en lice en Coupe d'Europe, donc c'est pas rien. Et ça, même si c'est une conférence league,
Paris gagnait justement la Super Coupe en 96, je crois. On a fait un cinéma. Donc, si Marseille remporte ce trophée-là, en tout cas, ce sera quand même un trophée européen pour un club français. Et ça fait très longtemps qu'on attend ça malgré tout. Donc, ce serait pas rien. Pour l'indice UEFA, c'est très bon. Oui, c'est sûr. C'est il ne faut, faut pas oublier que le Bois de Boulogne, il a gagné sur un coup franc, je crois, si je me rappelle bien. Et qu'ils étaient dominés par le Rapid de Vienne. Ils étaient dominés par le Rapid de Vienne tout le match. Si je me rappelle bien, parce que maintenant, je vais rentrer dans la 70e année. J'ai plus la tête de la mémoire comme maman. Si je me rappelle bien, le Rapid de Vienne est dominé. Maintenant, c'est le Red Bull de Vienne. Justement, toi, Alex, toi, quelle expérience, t'entends un petit peu, c'est une petite parenthèse, mais ça vient d'en parler aussi. Pour toi, un des plus beaux classicos que tu as vécu en tant que supporter de Marseille? Attention, moi, je vais vous choquer. Ah. C'est la boucherie. C'est la boucherie avec Dimeco et tout ça. Il n'y a pas que ça. On parle, tu vois, maintenant, je peux me permettre de parler. On parle, j'ai un très grand respect. Je remercie M. Tapi, tout ça. Mais les plus beaux classicos pour moi, c'est les années 70. Saint-Étienne à Marseille. Ah oui. Ah, pour moi. Et vous parlez, on parle des jeunes maintenant, tout ça, ils parlent, oui, de Lyon. Le football de Lyon, c'est une merde pour moi. Le classico, qu'est-ce que c'est? L'Olympique, il n'y en a rien que c'est Marseille. Il n'y a jamais eu d'Olympique, c'est le football de Lyon. Deux, on parle du Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne, c'est la merde. Depuis que, qu'est-ce qu'il y a eu le Bois de Boulogne? Ils sont rien, ils n'ont pas d'histoire. Nous, on a une histoire, nous. Et le plus beau classico que moi, j'ai vu, je parle pour moi, et les personnes qui ont mon âge, ça a été Saint-Étienne à Marseille. Vous connaissez l'équipe de Marseille comme l'équipe de Saint-Étienne? Larquet, les frères Rivelli, ça c'était des équipes. Et je ne vous le demande pas, je vais peut-être me faire bombarder, mais moi j'assume, j'aime l'OM. Mais quand l'OM n'était pas, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la chance, qu'ils étaient éliminés en Coupe de France, qu'ils étaient par exemple, ils n'avaient pas la chance d'être champion de France, moi je soutenais Saint-Étienne. Moi j'assume, je monte ma tête. C'est les deux équipes que j'aime. J'ai été l'OM, c'est la première, je suis Marseillais, je suis fier. Et la deuxième, c'était Saint-Étienne. C'était les meilleures équipes qu'il y a eu dans les années 70. C'était les deux meilleures équipes. Les autres, pour moi, c'était la bagatelle. Maintenant, tu vois le doublé qu'on a fait. On parle, par exemple, je vais m'arrêter parce que moi, je suis Marseillais. On parle, oui, on parle de la Coupe Grandes Oreilles en 91. Oui, j'étais content, c'était beau. Mais il ne faut pas oublier que si il n'y avait pas M. Marcel Leclerc, que je respecte, il n'y aurait pas eu le fondement. Le fondement, c'est Marcel Leclerc, hein. Qui a fait le fondement, le premier doublé de l'histoire de Marseille, avant c'était Saint-Etienne. Le premier, ça a été en 72. Qu'est-ce qui a fait le fondement? Ça a été M. Marcel Leclerc. Et je respecte Marcel Leclerc. Bon, moi, pour moi, le meilleur président, c'est Marcel Leclerc du club, qui a investi de l'argent eux-mêmes. Ça a été M. Leclerc et M. Tapi. Ça, c'est le personne que le président Tapdouche, tout ça. Ah oui, ça, c'est les personnes que je respecte. Moi, je te dis, celui-là qui a investi l'argent. Ça a été les deux premiers présidents que j'ai eu à l'OM. Excusez-moi, ça reste un peu longtemps, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Par contre, les gars, je voudrais revenir un peu à la demi-finale qui se jouera le 5 mai. Je trouve ça un peu débile de jouer cette demi-finale le 5 mai. En France, normalement, on n'a plus le droit de jouer au foot le 5 mai par rapport à la catastrophe de Furiani, il me semble. Donc, je trouve que la date est... En France, Bruno. En France, ouais, je trouve normalement, c'est dans la loi française, il me semble. Est-ce que éventuellement, Pablo Longoria pourrait écrire un courrier éventuellement? Parce que même nous, en amateur, on n'a pas le droit de faire de match, normalement, le Seigneur. Oui, mais là, malheureusement, ça touche au niveau national. Donc, est-ce que au niveau européen. Ouais, mais l'UEFA n'a pas cette règle. L'UEFA ne tient pas en compte cette règle. Puisque c'est après, l'UEFA qui organise. Après, sous demande éventuelle du club, peut-être qu'il y aura. Mais c'est au club de Marseille de demander justement s'il y a possibilité de pouvoir décaler le match au mercredi. Mais bon, ça sera encore une affaire à suivre, ça encore. Mais bon, je pense pas que, comme tu dis, James, l'UEFA n'a pas le. Voilà, l'UEFA, c'est l'UEFA, la Ligue, c'est la Ligue. Hein, donc, c'est pas le même. C'est comme ça. Bon, on aura une pensée malgré tout pour ce 5 mai qui reste quand même un moment tragique du football français. Ah ouais, bien, la Coupe de France, Bastia. Très compliqué. On va continuer sur les thèmes qu'on a mis en place avec justement. Bon, alors bien sûr, on n'est pas trop fan de ce joueur-là, mais ça sera un joueur malheureusement qui sera très compliqué à prendre en marquage pour nous Marseillais. C'est Kylian Mbappé. Ça sera le joueur en tout cas qui sera pour moi l'élément le plus important en tout cas de ce match-là. Pour vous, même chose. Dernier d'Mbappé, un dernier cadeau, une blessure. On ne sait pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut espérer éventuellement? Pour ce match-là, pour essayer de bloquer Mbappé, parce qu'on sait de quoi il est capable malgré tout, et que sur une action, il peut faire très mal, Jérémy. Mbappé, c'est un joueur qui utilise beaucoup sa vitesse,
qui est capable sur un coup de rein ou une passe en profondeur de te mettre 10 mètres dans la tête. On se souvient tous d'un match où Marseille faisait 0-0 et il est rentré et il a déposé Camara. Il a une vitesse de pointe. Techniquement, il n'a pas la qualité de dribble de Neymar, mais il est capable de faire quelque chose. À l'heure actuelle, c'est l'un des trois meilleurs joueurs du monde pour moi. Donc, soit lui faire comprendre qui c'est le patron, soit bien le prendre et éviter ou jouer le piège du hors-jeu. Mais il y a un moment donné, il est capable de sur une fulgurance. C'est ça, c'est… À l'aller, il y a eu une occasion très dangereuse contre l'OM. C'est vrai que c'est un joueur qui, malgré tout, James… Je m'excuse de te couper, Hervé. Vas-y, Kevin. Dis-moi ton temps. Je voulais passer le bonjour à une personne, là, il s'appelle Kay. Okay, je voulais passer le bonjour pour qu'elle ait une chaîne aussi. Il est là. Alors, je te passe le bonjour. Bonsoir à lui. N'hésite pas à venir nous parler avec nous. S'il veut discuter avec nous sur le live, le lien, on le remet, Jérémy. On le remet et clique dessus. Puis, il nous rejoint avec grand plaisir. Hein, s'il veut parler de l'OM, éventuellement du match de dimanche, c'est avec grand plaisir. James, je te repose la question justement. Toi, Mbappé, on sait de quoi il est capable. On sait ce qu'il peut faire, malheureusement, ce dimanche. Pour toi, est-ce que c'est le seul joueur, ou du moins celui qu'il va falloir vraiment faire très attention, quoi. C'est le seul joueur qui a un peu une attitude, la meilleure depuis le début de saison au Paris Saint-Germain, même si les autres joueurs restent de très bons joueurs. Mbappé, de toute façon, sera présent sur ce match-là, à moins qu'il se blesse. La question, c'est les autres. Après, effectivement, Mbappé, ça reste le meilleur joueur Ligue 1 très largement. Pour moi, c'est le joueur avec Benzema qui marque les esprits, avec Lewandowski aussi. Il fait partie des trois, hein, y a pas à dire. Donc on va se dire qu'on a encore 90 minutes à souffrir, et puis après on sera un petit peu tranquille pendant de nombreuses années. Mais maintenant, quelle organisation va faire Sampaoli par rapport à Mbappé? Est-ce qu'il va le prendre et le coller de suite pour éviter qu'il prenne de la vitesse, ou va faire une organisation tactique autour de lui pour éviter justement qu'il soit percutant et qu'il donne un peu de l'activité sur l'attaque parisienne? Après, on sait très bien que si Neymar est dans un bon jour avec Messi, bon, ça va faire des étincelles, ça va nous secouer un petit peu en défense. Donc, sur le fait qu'Mbappé va faire un bon match ce week-end, là-dessus, j'ai aucun doute. J'ai plus des doutes sur les autres joueurs, par exemple. Sur Mbappé, je sais que lui, il va vouloir briller, c'est un compétiteur, il n'a jamais quasiment passé à côté d'un match de ce calibre. Donc, il va vouloir gagner le titre rapidement, passer à autre chose. Donc, je pense que Mbappé risque de faire un petit peu des étincelles dans la défense marseillaise ce week-end. On a un système un petit peu hybride depuis le début de saison qui a apporté du positif mais du très négatif aussi en termes défensifs. Toi, Bruno, ton avis, si tu devais jouer ce week-end, tu joueras 4 derrière ou 3 derrière éventuellement avec un bloc bas, un bloc haut? Comment tu essaierais de contenir justement Mbappé et ses accélérations qui peuvent faire très mal? Moi, je jouerais comme d'habitude, comme on a fait contre Paris l'année dernière. On s'est mis à 3 derrière, il me semble. On leur a mis un gros impact physique. On les a harcelés. On a harcelé Verratti. On les a complètement bloqués. On a gagné. Et quand tu gagnes contre Paris, il n'y a que comme ça. Il faut que tu mettes plus d'impact. Ils ne mettent jamais d'impact physique. En fait, tout se joue là. Paris, ils perdent dès qu'ils prennent de l'impact physique, du pressing, de la grosse pression. En général, ils perdent ou ils ne sont pas loin de perdre. Bon, pour moi, c'est la clé du match. Ouais. T'entends ton avis, toi, un petit peu sur je serais un peu d'accord avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, celui-là qui vient de parler. Non, c'est Bruno. Excuse-moi, Bruno. Non, parce qu'elle a raison. Parce que tu joues avec le ballon, tu les fais un peu marcher, tu les fais un peu courir, et ils ne sont pas habitués, et eux, c'est eux qui veulent avoir. Et donc, il faut les mettre la pression. Ça veut dire de jouer comme on joue, et d'attendre qu'ils ne prennent pas le match à eux en main. Et après, moi, je crois qu'il a raison, Bruno, je lui donne 100% raison. Hein. Alors, jouer de toute façon, on ne sait pas rester derrière, on ne sait pas le faire. Ouais, justement, pour vous, l'idée, c'est que justement, on ait le ballon et qu'on le fasse circuler comme on sait faire jusqu'à maintenant. Même si hier, pour information, pour le match d'hier, on a été quand même en difficulté dans, 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 le,
dans la conservation, ouais, dans la préparation de situation. Il y avait quatre joueurs qui n'étaient pas là, aussi trois ou quatre. Mais oui, défensivement, il y avait quatre avec lui. Ouais, mais il change le système. Hier, on a joué à quatre derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je passe comme ça, mais c'est mon opinion à moi personnel. Hein. Bien sûr. Après, il y aura le retour éventuellement, oui. Il y aura Camara éventuellement au milieu qui sera de retour et qui va apporter de la finesse dans ses passes vers l'avant, casser les lignes. C'est un joueur très intéressant, Camara. On sait Camara, l'important, ce joueur. Gerson aussi. Hein. Gerson, moi, j'ai critiqué au début. Je reconnais, j'en suis, j'ai critiqué. Mais Gerson, il monte en puissance. Excusez-moi de vous avoir coupé. Il monte en puissance. Et je reconnais, quand je reconnais, je fais des critiques, je fais des erreurs, j'assume. Hein. Je l'ai critiqué, je l'ai bombardé, Gerson. Mais les matchs qu'il fait, il monte en puissance, pour moi. Excusez-moi de vous avoir coupé. Vas-y, Bruno. Ah non, mais je suis complètement d'avis aussi. Ouais. Gerson, il monte en puissance grave. Et moi aussi, Dieu sait si je l'ai bien poutré. Ah oui, ça, Bruno, on est témoin. Ah ouais, non, je l'ai vraiment poutré. Je n'aimais pas ce joueur. Et là, je commence vraiment à l'apprécier pas mal. Donc, pourtant, je suis engueulé avec beaucoup de personnes, mais j'ai défendu ce joueur-là. En le baissant le temps d'adaptation, je trouve qu'il a quand même une présence technique, une prestance. C'est un joueur vraiment… Et puis même sur le plan physique, il a quand même évolué, je veux dire, en début d'année. On a l'impression qu'il se faisait beaucoup marcher dessus. Là, on sent quand même qu'il est impressionnant. Quand il démarre avec le ballon ou sans ballon, ça surprend quand même. Hein. C'est pas pour rien qu'il est rentré à la Seleção, hein, malgré tout. On peut dire ce que l'on veut, mais quand on rentre dans cette équipe-là, dans cette nation brésilienne, c'est qu'on a passé un cap. Et c'est un joueur quand même assez intéressant. Intérieur. Ouais, mais on le sent plus joyeux aussi. On le sent, je pense que sa vie à Marseille, il a commencé, je pense qu'il s'est acclimaté. On le sent beaucoup plus joyeux, plus souriant. Avant, tu avais quand même l'impression un peu qu'il boudait. Je crois qu'il est bien en train de s'acclimater comme il faut. Bah, je pense que surtout, il a réussi peut-être aussi à refaire un peu la cerise. Je crois qu'il n'a pas été quand même sélectionné les deux, trois derniers rassemblements du Brésil. Donc, je pense qu'il a aussi pu un peu souffler de ses enchaînements. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé à Marseille. Il n'a pas pu faire de prépa physique parce qu'il sortait du championnat brésilien pour quasiment renchaîner sur le championnat. Donc, peut-être une fatigue de Gerson. Et aujourd'hui, ben, peut-être qu'il a réussi à récupérer un petit peu et puis que ben, il est en forme et que c'est peut-être le vrai visage de Gerson. Ouais, très intéressant à voir. Alors, après, on peut revenir un petit peu… vaguement à Paris, est-ce qu'on arrête parce qu'on craint Mbappé, mais est-ce que Messi Neymar vraiment on va les craindre à l'aller? Ils ont été en difficulté hein, contre Marseille quand même, hein, faut quand même le dire. Paris était en grosse difficulté contre Marseille à l'aller. Alors le contexte était qu'ils étaient quand même malgré tout encore qualifiés en Coupe d'Europe, donc c'était encore dans une dynamique. Là, le fait qu'il n'y ait plus que ça à jouer aujourd'hui, Paris niveau Champions League, vous y croyez franchement ou pensez vraiment que Marseille va remarcher dessus? Marseille est capable quand même de marcher sur Paris quand même malgré tout, quand on voit un petit peu ce qui se passe actuellement. James. Moi, je vais redire sur ce point et je vais revenir un peu ce qu'a dit Bruno tout à l'heure. Le problème, c'est que quand tu joues un match de Paris et que tu as besoin de les harceler et pour équilibrer un petit peu les forces, il faut que tu les harcèles et tu les presses. Pour moi, on n'a pas aujourd'hui la caisse physique pour le faire. Et même tant bien que même tu donnais tout sur ce match, ce serait au détriment du match de Nantes et de ce qui va t'arriver derrière. Et tout à l'heure, Kevin, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que il ne faut pas que ce match aujourd'hui nous fasse mal pour les matchs d'après, en fait. Donc, confiance. Hein. Il faut le jouer, le match, hein, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut le jouer à 150%? Est-ce qu'il faut le jouer comme un match de gala et tout donner sur ce match-là? Pour moi, non. C'est vrai qu'en tant que supporter, match de Paris, il faut le jouer. Mais je pense qu'avec ce qui va nous arriver dans le nombre de matchs qui va nous arriver dessus, je pense qu'il va falloir qu'on soit qu'on pense un petit peu à ce qui va se passer après. Je sais pour nous, moi j'aimerais bien que les gars jouent à 150%, qu'on marche sur le PSG, moi je pense après, je regarde le calendrier, il est dingue, il est fou. Voilà, sachant que sur les deux compétitions, on a gros à jouer, que ce soit pour la qualif de la Ligue des Champions ou pour une demi-finale de Coupe d'Europe, parce que ça reste une demi-finale de Coupe d'Europe. Et si on regarde les deux demi-finales entre l'Europa League et la Conference League, est-ce qu'il ne fallait pas mieux être en demi-finale de l'Europa League ou en demi-finale de l'Europa League Conference? Parce que
en termes de niveau d'équipe, regardez bien. Je pense que l'Europa League, en termes de qualité d'équipe, est moins forte que la Conference League. Donc, Feyenoord va nous attendre un match très épique la semaine prochaine. Donc, voilà. Moi, je serai entraîneur. Je mettrai une équipe normale, mais sans plus. Et je vous dis, j'attendrai le résultat du match de Rennes-Monaco ce soir. Et quitte à faire l'impasse sur le match de dimanche, je le ferai. En plus, encore une fois, les supporters de l'OM sont interdits de stade. Donc, est-ce que ce n'était pas le moment de dire, bon, vous commencez à nous casser les bonbons avec vos interdictions de stade. Est-ce qu'on aurait pu faire une pape Diouf sur ce match du PSG en montrant à Amazon et tout qu'on en a ras-le-bol des interdictions de stade, on en a ras-le-cul qu'on ne puisse pas aller au stade, qu'on ne puisse pas être protégé dans notre parcage. Donc, est-ce qu'en fonction du résultat de ce soir, voilà, à un moment, il va falloir aussi taper Je sur du poing sur la comprends. table. Ils se font du pognon sur notre dos et derrière, on ne peut pas aller au stade. Donc, à un moment, ras-le-bol. Donc, voilà, je lance un petit peu un pavé dans la mare, mais voilà, ce match-là arrive au très mauvais moment pour l'Olympique de Marseille. Ouais, mais est-ce que ce match arrive vraiment au mauvais moment? Imaginons que tous les matchs en jeu sont joués et que ce soit Rennes ou quoi que ce soit, ça soit c'est compliqué. Je dirais les matchs sont les jouer. On sait que les calendriers, c'est compliqué. Moi, cette année, l'OM, elle a une équipe. Je suis désolé, quand tu prétends à vouloir jouer l'Europe et la Champions League, tu t'attends à avoir aussi une équipe compétitive et à être capable d'aller regarder quand même dans les yeux de le PSG. Je veux dire, voilà. Et puis Si t'es dans le à sprint final, hein. T'es dans le sprint final, là c'est lancé, hein. Tous les points ça voilà. compte, hein. Tous les matchs Voilà. ils comptent là. Mais après, moi, je préfère à la limite perdre avec les honneurs que plutôt en disant, oh, on la joue petit bras. Non. On a les compos probables éventuels, puisque alors pour information, Milik est dans le groupe apparemment pour le déplacement à Paris. Bon, mais il a Info. annoncé, il est forfait apparemment, c'est quasiment En sûr. tout cas, il est De dans le toute groupe façon, pour le déplacement à Paris. ouais. Ça, c'est une certitude de ce qui est marqué sur l'équipe actuellement. La compo probable, parce qu'apparemment, Paris est pas mal absent également, mais le retour donc de Navas, de blessure, mais c'est Donnarumma qui serait donc titulaire ce week-end. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Danilo, Verratti, Gueye. Et devant donc Messi, Mbappé, Neymar. Et du côté marseillais, donc on aurait donc une défense à 4 mise en place ce week-end par Sampaoli, avec Rongier, Saliba, Camara, Perez. Guendouzi, Gueye, Gerson au milieu, et on aurait donc Under, Dieng et Payet au devant. C'est les compos qui viennent de tomber, probable en tout cas. Ouais, après c'est les compos l'équipe parce que là les joueurs ils savent même pas qui va jouer dimanche déjà. Surtout à Marseille, Donc on le même sait. dans la tête à Sampaoli, J'ai envie de dire que c'est du classique. Un Rongier va être là en phase défensive, mais en phase offensive va être latéral, comme il joue depuis le début de la saison. mais il y aura quand même malgré tout, parce qu'on sait quand même que les trois devants à Paris ne défendent jamais. Un duel au milieu de terrain très intéressant entre Guendouzi, Gueye et Gerson, comme des joueurs à fort caractère. Donc Gueye qui revient en puissance et qui aime bien le box-to-box. On le compare souvent à ce numéro 8, avec un milieu de terrain parisien, Verratti en difficulté depuis quelque temps, Danilo et Gueye qui sont des joueurs très moyens, moi je trouve, du même niveau plus ou moins que ces joueurs marseillais. Donc on aura un duel au milieu de terrain très intéressant à voir. Donc ça peut être une surprise. En tout cas, Marseille peut-il créer l'espoir? N'hésitez pas donc sur le chat à donner votre avis. En tout cas, est-ce que finalement ça serait un exploit si Marseille gagnait ce week-end? C'est une question. Quand on voit finalement les derniers résultats de deux équipes, ça peut être deux Une belles équipes, deux bonne beaux duels. analyse. Ça peut être aussi à voir. En tout cas, dernière question que je vais vous poser ce soir, un duel d'Argentin ce week-end à voir. On a peut-être oublié, mais Pochettino affronte Sampaoli. Deux coachs à deux mentalités différentes. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui pourrait les différencier sur ce match-là? Est-ce qu'on aurait vraiment un duel tactique ce week-end entre deux entraîneurs complètement différent, tête en tête, on avait un petit peu sur Sampaoli. Pour toi, est-ce que c'est un grand coach aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il peut surprendre ce week-end? Il peut surprendre, mais je ne suis pas une fan de Sampaoli, moi. Je suis pas une fan de Sampaoli. Pourquoi? Il fait trop d'expérience. Tu sais, comme un laboratoire de pharmacie, tu vois. Et ça, j'aime pas, tu vois. Il a fait trois. Il a même pas fait trois matchs d'affilée avec la même équipe. C'est Maintenant, moi, je ne suis pas une fan, mais il peut faire des surprises. Il a fait, ouais, on en a eu des surprises, hein, on en a, avec lui. Mais on a eu aussi des grosses surprises contre nous aussi. Non, non, moi, je ne suis pas une fan, mais
Mais j'ai le cœur chaud parce que je suis une fan de l'OM. Moi, je crois qu'on gagne 2-1 et je suis sûr qu'il va nous faire une surprise comme il fait toujours, c'est Sampaoli. Moi, Pecchino, des mots que je n'avais pas prononcé, parce que quand j'étais jeune, j'avais une défaut de langue. Pecchino. 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 Pour que tu sais, quand ma mère elle est morte, j'avais 6 ans et jusqu'à l'âge de 6 ans à 11 ans, tu vois, je bégayais, tu vois. Après, le docteur, il a dit ça partira. On préfère que tu rates le nom Pochettino que Sampaoli. Moi, c'est. On sait pour qui tu es, le gars. Non, lui, comment il s'appelle, il est un peu, je pense, moi, c'est, je pense pour moi. Hein. Il a un peu le nez un peu haut, tu vois. Moi, je te dis, il ne se prend pas pour. C'est vrai, c'est tout ça qui sort à Paris, il se prend pour des super vedettes. Et avant que j'arrête, il y a un proverbe allemand, en Allemagne. Tout le monde peut être champion d'Allemagne avec le Bayern. Et pour moi, tout le monde peut être champion de France avec le Paris Saint-Germain. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ouais, je te dis, ça veut dire que n'importe quel entraîneur, il peut aller au Paris, il va faire, regarde, il va te gagner des triomphes, des coupes, tout ça. Mais si il n'y a pas Paris, il n'y a pas le Qatar, ils sont rien. Voilà, je m'excuse. Non, mais l'avantage, c'est Paris, t'es un bon club formateur d'entraîneur parce que tous les coachs de partie de Paris ont réussi à remporter des trophées. D'ailleurs, en parenthèse, Emery a qualifié Villarreal pour la première fois de son histoire en demi-finale de Champions League. C'est pas rien, mais c'est un entraîneur de Paris, encore une fois. Donc bon, la petite parenthèse du soir. Petite parenthèse, justement, là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avant l'arrivée de l'ère du Qatar, donc 19 matchs, 3 nuls, 19 victoires de Paris, 3 nuls et 2 défaites, peut-être 4. Là, actuellement, on a 46 victoires pour le PSG, 21 nuls et 34 victoires pour l'OM. Donc, on peut dire que quand même que l'arrivée du Qatar a quand même bien boosté les statistiques du PSG. Hein. C'est normal, les temps des joueurs qu'ils ont su faire venir. Moi, j'aimerais revenir sur le duel d'Argentin. Toi, James, un petit peu tactiquement, et Bruno également, vous pensez quoi vraiment de deux coachs argentins, au final, mais complètement différents quand on les regarde travailler. Pour toi, James, qu'est-ce qui peut les différencier et qu'est-ce qui pourrait jouer ce week-end sur le plan tactique, en tout cas? Oui, je Sampaoli est un entraîneur atypique puisqu'il fait ses compositions en fonction des forces de l'adversaire et non pas en fonction de ses forces. Donc c'est totalement atypique et c'est vrai que pour certains Marseillais c'est compliqué. Pochettino est plus bon, c'est vrai qu'avec l'équipe qu'il a, il peut plus imposer ses forces à l'adversaire, mais c'est vrai que c'est deux caractères différents. On a Pochettino qui est très rarement debout, gueule quasiment jamais, et on a Sampaoli, en fait il faut l'enchaîner, il faut lui mettre du plomb dans les godasses pour qu'il évite de marcher. À chaque fois qu'il y a un match, le carré où il y a la pelouse, il faut changer la pelouse, qu'il n'y en a plus, tellement qu'il a marché. Donc, oui, on a deux entraîneurs totalement différents dans le caractère, dans la philosophie de jeu, mais ça reste deux bons entraîneurs qui sont différents. Et c'est là où on voit que Sampaoli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un entraîneur qui aime ce qu'il fait, qui aime l'OM. Je pense qu'on a vu... On a vu des comment ça s'appelle des sur, à la télé dernièrement, on a vu des émissions où on a vu Sampaoli qui s'est imprégné de ce club, alors que franchement Pochettino, sans rire, hein, il n'en a rien à foutre, hein. Voilà, lui ce qu'il veut c'est qu'il se fasse virer, qu'il touche son gros chèque, il est encore à l'hôtel, il a sa famille est restée à Londres, donc voilà, effectivement on a deux entraîneurs différents. Pochettino du PSG, allez, il s'en bat les steaks. Voilà, faut dire ce qui est. Donc oui, on a deux entraîneurs différents. Un entraîneur qui s'est imprégné du club dont il est et un entraîneur qui aujourd'hui du PSG est juste qu'un tremplin et touché un gros chèque. Bruno. Mais moi, je trouve que Sampaoli s'est drôlement bien remis en question aussi. Rappelez-vous, il y a un mois, on voulait tous qu'il se fasse gicler. Et il s'est drôlement remis en question. Les joueurs, il n'y a aucun problème. On voit bien qu'ils adhèrent avec ce coach. Après, Pochettino, un bon entraîneur, je ne suis pas forcément convaincu. Je pense que tu mets Kevin ou tu mets moi à la tête du PSG, on aurait exactement les mêmes résultats. C'est ce que j'ai dit. Après, pour moi, tu me mets à la... Et encore, je vais te dire un truc. Et encore...
Et encore, Kevin, je vais te dire un truc, je pense qu'on aurait au moins des idées pour essayer de les faire jouer comme il faut. Mais justement, on a l'impression que les coachs qui vont à Paris, alors pour qui on fait partie malgré tout, justement, n'ont pas cette chance d'avoir ce que Sampaoli a à Marseille. Moi, je disais par exemple que Sampaoli a un peu le comportement d'un coach de quartier, mais il a la carte blanche. Il est arrivé dans un club où le président lui donne carte blanche. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui différencie un coach aujourd'hui? Si, mais c'est ça qui différencie. Tu as un entraîneur, tant qu'il entraîne, si tu veux que ça marche, tu lui laisses un maximum la carte blanche. C'est quoi à dire, mais c'est ça. C'est l'entraîneur qui entraîne. C'est lui qui impulse le sportif. Il s'entend bien avec Longoria, je pense qu'on a un bon bilan, mais c'est tout. Le truc qu'il y a, c'est que je pense que n'importe quel entraîneur du PSG, tant qu'il y aura cette politique de « je vais chouiner chez Nasser » et puis « ah ben, je peux aller prendre 15 petits jours à Punta Cana, tranquillou !» Non, mais tu n'as pas d'autorité. Tu as les joueurs, tu n'as pas d'autorité. Mais c'est ça, mais l'entraîneur, si Bruno, tu es dans une entreprise, on travaille tous. Si à un moment donné, ton chef, il te dit « tu fais ça » et que toi, ça ne te convient pas, que tu vas voir ton patron et qu'on te donne raison, ton chef va te dire quelque chose. Tu vas te dire « va te faire enculer !» Mais va te faire enculer. Mais il va te dire « mais t'es viré !» Mais ton patron, il te soutient. T'es viré ou t'es pas payé, quoi, c'est tout. Non, mais ton patron, il te soutient. Du moment que t'as le patron qui te soutient, vas-y, Mémil. Vas-y, toi. Soltan Ibrahimovic, ça qu'il a dit. Il a dit, j'aurais demandé à sa femme, à El Nasser, il m'aurait donné. Bon, c'est sûr. Ça veut tout dire, hein. Il a dit Ibrahimovic, Soltan. D'ailleurs, tu n'as aucun joueur qui arrive à partir de Paris, quasiment. Dès qu'ils veulent partir, ils vont demander d'augmentation. Vas-y, je te propose 20 millions d'augmentation. Voilà, point. Ça marche comme c'est ça. La retraite. Il n'y a pas mieux que ça. Ils mettent de l'argent de côté. Alors, Herrera a demandé est-ce que les copines du Bois de Boulogne pouvaient le suivre lors du transfert? Parce que comme il a beaucoup de copines et qu'ils vont lui manquer, donc voilà, est-ce que dans le transfert, on peut inclure... Les copines avec les trompes de l'Eva. Ah, avec les copines. C'est les femmes à Kiki. Tu connais pas les femmes à Kiki? il va planter sa tente au Bois de Boulogne ou il se fait planter la tente? Non, mais... En tout cas, les gars, on est tous les cartes rouges. On a plus ou moins fait le tour un petit peu de ce classico. En tout cas, on va faire 55 minutes de live. C'est impeccable pour un live de football. En tout cas, au Parler Football. Moi, je vais finir par contre par un petit quiz. Une question qui me vient… Alors, peut-être que Tonton va répondre rapidement, mais il doit connaître la réponse. Mais pour vous, quel a été le plus grand nombre de buts marqués dans un classico entre un PSG-OM? Attention, PSG-OM. Hein. 7 en 86. 7 en 86 ou 88. 7 buts, c'est le même réponse, mais c'est pas en 87, c'est beaucoup plus avant. C'est vrai que Tonton devait connaître la réponse, mais c'est bien avant. Je crois dans les années 80. Ouais, c'est 79, c'est ça. Ah, il y a eu 83 au Paris, éventuellement. Ouais, je crois qu'il montait même la deuxième division, les Paris, gros, là-bas, le Boulogne, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est une des premières années où ils étaient donc montés. Ouais. C'est le plus grand nombre de buts qui avait marqué. Alors, bien sûr, je n'irai pas dans ceux qui fâchent. Paris avait gagné 4-3 ce jour-là contre l'OM. Paris réussit souvent face à Marseille à domicile. Malgré tout, on a quand même un match qui nous a marqué. C'était en 2010, victoire donc à Paris et champion de France derrière avec Deschamps. Il faut quand même le rappeler. 3-0. Ouais. 3-1. Ouais. Avec un but d'un Hollandais. Un but d'un Hollandais d'ailleurs. Un joueur hollandais avait marqué ce jour-là. Zenden, exactement. Et là, il s'était cassé la gueule en sortant sur le truc orange. J'étais au stade. Ouais, sur le truc orange. J'étais au stade, moi. J'étais dans la tribune de l'OM. Et ça a été le premier match de mon gamin qui avait 8 ans à cette époque-là. Et j'étais dans la tribune. Voilà. Donc, c'est pour la petite parenthèse, en tout cas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, d'ailleurs, pour finir. Savez-vous pourquoi les Sardinaires sont en orange? Alors, j'ai appris ça aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. On m'a dit, c'était pour que je compte. Pour contrer les parigots, le Bois de Boulogne qui était facho. Ils ont retourné l'histoire de Bombers, c'est ça. Ils ont retourné les Bombers, c'est pour les fachos. Ouais, la bombe, là. Comment on appelle ça, la bombe, la veste à la bombe, tu sais, avec les. Ils l'ont retourné. Je ne vais pas me coucher contre, je crois. Je vais pas me coucher contre. Tout le maillot orange qu'on avait eu d'ailleurs en troisième maillot l'année justement de l'Étoile au club. C'est ce couleur orange justement qui veut dire beaucoup en tout cas et qui a un rapport aussi avec le classico PSG-OM d'ailleurs. Donc c'était pour la petite parenthèse aussi. Donc j'ai appris ça aujourd'hui, donc comme quoi on apprend tous les jours avec l'OM.
Et c'est ça qui est beau avec Marseille, c'est l'histoire. Mais malgré tout, voilà, tout a quelque chose. Et tonton, on sait, hein, tout a un rapport l'histoire, avec quelque chose. L'histoire, toute l'histoire dans Marseille, c'est une légende dans Marseille. Moi, je suis peut-être chauvin. Hein. Moi, je suis Marseillais. Moi, je viens du quartier nord, c'est pas de poil, tout ça. Je descendais avec la mobilette dans les années 60. Je jouais en troisième division. Non, moi, c'est des choses. Je ne peux pas oublier. Et Marseille, personne n'arrive à la hauteur de Marseille, n'importe quel club en France. Ils n'arrivent pas à la hauteur. Ils nous crachent dessus parce qu'ils sont jaloux. Tout le monde nous crache dessus. Tout le monde. Tout le club. Et quand ils jouent contre nous, ils sont à 100%. Ils veulent toujours gagner contre nous. Même que Marseille, c'est une légende. Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Et tout ça, tonton, en musique en plus. Tu as vu un peu. Tu as la chance d'avoir la musique derrière toi en plus. C'est incroyable. Hein. C'est beau. En tout cas, les gars, je vous remercie d'être venus sur le live de Classico PSG OM. Ouais. On se retrouve rapidement, en tout cas, pour d'autres aventures et d'autres. Ouais. Jérémy, tu voulais présent. Oui, juste pour ceux qui sont fans de l'OM, allez voir notre ami Tonton Célou qui a une chaîne qui s'appelle Le Bar des Fadas. Vous tapez Tonton Célou, Le Bar des Fadas. C'est où? C'est sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Allez le voir. Vous vous régalerez. C'est que des mecs qui connaissent un peu le foot, qui connaissent le foot. Vous déconnez, vous insultez le PSG comme vous voulez. C'est open bar. C'est le Bois de Boulogne. L'Olympique Lyonnais, ça n'existe pas. C'est le FC Lyon. Donc allez voir ces loups. On va faire un petit peu de pub pour les autres pages de l'OM de nos copains. On va saluer l'OM, c'est nous. Qui font des lives d'avant, d'après-match, quelques lives en semaine. On va saluer l'OM dans nos cœurs et l'OM sans frontières, qui ont aussi avant et après-match. Hein, et OM Flash News. Ouais. Je peux faire une pub pour quelqu'un, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Vas-y, on a une soirée pub ce soir, vas-y. Voilà, non, pour casser une personne était brave, il était là. C'est l'OM Info créé. L'OM Info débarquer. Ah, c'est ça, James. Je ne me trompe pas. Pardon? C'est l'OM débat info, hein, la chaîne de quai. Je crois, oui. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Je ne sais pas personne. Il était là tout à l'heure. Peut-être qu'il n'est pas monté parce que c'est la première fois. Mais je vous remercie. Et James, moi, je viens mouiller en live parce que j'avais parlé avec Kay et tout ça. J'attendais que c'était fini. C'est pour ça que je n'ai pas mouillé de live, tu vois. Et si tu veux, James, tu peux monter. Ce soir, c'est off. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, les gars, un grand merci. Merci, tonton. C'est super sympa de t'avoir avec nous. Juste une petite annonce, Kevin. Allez, James. Une petite annonce aux Parisiens. N'oubliez pas, si vous achetez 3 places pour le match de dimanche, vous avez un travelo offert. Et vous allez voir Herrera. Vous tapez www.herrera.fr. Bon, et le tube de Vaseline, parce que ça rentre mieux. Oh, putain, ça engage mieux, ça va faire du mal. Ça va faire du mal, ça, la Vaseline. Il ne pourra pas s'asseoir pendant une semaine, peu cher. En tout cas, pour rester avec son foot qui est la page du football, ce soir, il y a un Real Monaco très intéressant à regarder à 20h45 sur Amazon Prime. Donc, bien sûr, c'est les matchs du week-end. Il y aura également un derby entre Lille et Lens. Qui sera très attendu également, vu le jour du match aller. Donc, ce sera des matchs qui seront à suivre en direct sur les chaînes Canal Plus et Amazon Prime. Donc, en tout cas, je vous remercie, les gars, d'être venus. Bonne soirée à tous. Bon appétit. Je vais aller manger quand même un minima. Bon appétit. Merci à tous, les gars. Et fier de vous avoir connus, à tous. Ciao, les salut, amis. Salut, tonton. Ciao. Oh, je suis profond.